Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur Planet Zoo. Donc aujourd'hui, on va designer l'habitat du Lycaon. Donc là, la dernière fois, j'en avais parlé, on avait commencé à regarder pour acheter des Lycaons. Et là, j'en ai acheté trois. Deux femelles et un mâle, je crois. J'ai commencé à faire l'enclos. Donc normalement, voilà, l'enclos il est fait. Il est ici, l'enclos il sera là. Comme ça, les visiteurs qui seront à pied ici pourront les apercevoir d'ici. En même temps ils pourront observer les hippopotames là. Voilà, d'ailleurs là, il faudra que je fasse un truc un peu plus joli. Un peu comme ça, là, c'est pas mal ça. Vous voyez ça là? Faudrait que je fasse un peu ça partout là, pour les hippopotames. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Ah, c'est sympa ce petit point de vue, j'aime bien. Je me rappelais pas que j'avais fait ça. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre Lycaon, on va regarder déjà ses besoins. En termes de terrain, déjà, premièrement. Espace abri solide 100 déjà? Ah bon? Non, truc qui va pas là. Oui, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait, il n'y a pas d'abri solide. Il n'y a rien du tout. Je sais pas trop ce que je vais faire comme abri pour des lycaons. Est-ce que je fais une espèce de grotte un peu comme ça encore? Comme les hyènes? Je pourrais peut-être aller voir sur le Steam Workshop pour me donner des idées, ce serait pas mal. Ce serait une bonne idée. C'est où? Je vais voir le hub. Workshop. Ok, on peut aller voir vite fait histoire de se donner des idées. Qu'est-ce qui se fait en ce moment? Qu'est-ce que c'est les trucs. Ok, ouais. Ouais. Ah, ça c'est marrant. Bourriquet. Ok, ah, ça c'est très très beau. Ça c'est très très classe. On va le mettre de côté, on va sûrement le prendre pour faire un truc qui ressemble à ça. Ça c'est un zoo complet. Alors, un terrarium. Qu'est-ce qu'on a de nouveau là? Pas grand-chose de nouveau. Alors, touc. Un café à l'intérieur. Ah, c'est très très stylé, hein. C'est très très joli. Ok, est-ce qu'il a fait d'autres choses lui? Je vais le récupérer, c'est trop classe. Créé par Dennis Machin. On va pas voir. Oh zut. On peut pas voir s'il a fait d'autres trucs. On peut pas voir. Bon. Il y a des commentaires. Bon, peu importe. Allez, donc on va retourner. Hop, ça on peut fermer. Là, on va taper Lycaon. Voilà. J'ai mis deux L. Hop, Lycaon. Qu'est-ce qu'on a comme abri de Lycaon? Ouais, donc là ils ont fait une petite rivière où ils peuvent sauter par-dessus. Ouais, c'est pas une mauvaise idée ça. Ouais, puis voilà une grotte quoi. Un terrier, en fait. Oh, c'est très joli ça. Ouais, on pourrait faire un petit truc un peu comme ça, avec l'eau qui va se jeter dans notre machin, c'est pas bête. Ça, c'est quoi ça? Ouais, c'est un abri en bizarre. Ok, donc non, il n'y a pas d'autres images. Celui-là, c'est pas une mauvaise idée là. On va se baser un peu là-dessus.
C'est vrai que j'aurais pu aller chercher un peu avant, j'ai pas trop fouillé sur ce que je voulais faire. Ouais, là il y a une espèce de chute d'eau bizarre. Bref, bof. Ok, on va essayer de se faire un truc un peu comme ce qu'on a vu là. Alors, hop. Donc, l'idée. Ah ouais, mais on va pas pouvoir faire ça. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Parce que je vais faire une petite rivière, on va pas pouvoir parce qu'on a déjà mis l'eau. L'autre fois, j'ai essayé d'enlever l'eau pour modifier du terrain et remettre l'eau et j'arrivais pas à remettre l'eau. En fait, le problème, c'est qu'il y avait un problème, je sais pas, un bug ou un truc qui faisait que quelque chose a bougé quelque part et du coup, je pouvais plus remettre l'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des rochers par là, vers le milieu, là, hein. Le milieu, c'est un peu mieux. Ça sépare. Oh là là. Ça séparera l'abri en deux et on va faire une espèce de grosse butte dans lequel les lycaons pourront venir. Donc ça leur fera un terrier. Et en même temps, ça viendra se jeter dans la flotte. Et la rivière sera en hauteur. Et ça fera une cascade qui va venir se jeter là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être stylé. Ça va être stylé. Alors là, on va aplatir à peu près ce niveau-là. C'est pas plat, hein? Si c'est plat. Ouais, c'est plat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça descend? Moi, je voulais ce niveau-là, là. Mais. Allez, on monte encore. On va monter là. Hop, tout là. Voilà. Clac. Là, on va se faire un truc plat. Ah mince, c'est raboté, c'est pour ça. Putain. Je me suis gouré de boutons. Magouré de boutons. Ah oui, voilà, ça va mieux là. Hop. Là, j'en ai peut-être un peu trop mis, hein. Voilà. Là. Clac. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Là, on va juste. Hop. Faire ça bien. Que ce soit pas trop pentu non plus. Attendez, on va lisser là. On va essayer de lisser là. Est-ce que je peux pas mettre ma lumière? Voilà. Clac. Faut quand même qu'ils puissent naviguer dedans là, les licarons. Ça donnera un peu de volume par là en même temps. Ce serait cool. J'aurais plutôt dû le faire dans l'autre sens, mon triangle. Avec une pointe au bout. Bon, c'est pas grave, ça ira bien. Ça ira bien. Hop. Voilà, c'est stylé. Hop, là on va lisser un peu par là. Hop. Là aussi. J'ai un peu peur qu'il puisse pas monter par là. J'ai un peu peur qu'il puisse pas monter par ici.
Là. Là, c'est pas mal. Ok, maintenant on va creuser un tout petit poil. Non, deux, voilà. Creuser une petite rivière. Hop. En même temps, les gens ils pourront pas la voir cette petite rivière. C'est un peu dommage. Non? C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Est-ce que je donnerais pas du volume par ici? Avec un truc qui monte. Et là, il y aurait une autre falaise du coup, et les gens seraient un petit peu en surplomb. Oh, je suis bête. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait. Ah, c'est pénible. Des fois, les commandes elles se bloquent, c'est bizarre. Ça pourrait être pas mal. Voyez ce que je veux dire? Là, ça donnerait du. Ça donnerait du volume par là. Là, on aurait une petite. On pourrait mettre des rochers là. Alors, attendez. Là, on va déplacer ce truc qu'on avait déjà placé pour les lichens. On va le remettre ici. Hop. Et là, le téléphérique, lui. Il passerait en hauteur après au-dessus aussi, il suivrait la pente. Et là on aurait quoi? Là on aurait rien. On pourrait avoir d'autres petits trucs. Peut-être. Pourrait avoir d'autres petits habitats là. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Alors là je vais avoir un truc aussi. Enfin une gare pour mon téléphérique, donc faut faire attention quand même qu'il monte pas trop. Comment faire? Parce que là ce serait bien effectivement que les visiteurs puissent voir ça par-dessus. Pour avoir une façade, une. Ah un pont! Ah un pont, ce serait classe. Ah ouais, j'ai une trop bonne idée. Alors, là, on enlève tout ça. Hop, 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 hop. Hop. Même encore, hop. Et là. Alors, c'est là que ça va être compliqué. Alors, on mettra des rochers, on s'en fout. Alors, terrain. Pas si gros aussi. Là, à partir de là, ce serait bien qu'on arrive à monter doucement. Et là, beaucoup plus du coup. Là, on aurait une première butte ici. Hop. Clac. Il faudrait qu'elle soit quand même assez haute, hein. Parce que faudrait qu'elle soit plus haute que l'autre là-bas. Voilà. Donc là, on va monter en pente douce. Comme ça, voilà, c'est très bien là. Ça, c'est très bien ça. Alors, ça me convient, moi. Petite pente douce comme ça là. Si je me mets hop comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais. Ah. Voilà, moi je voulais ça. Aplanir jusqu'à surface. Tout ça qu'il faut que je prenne. Comme ça. Voilà. Voilà.
Ça là, on monte tranquille. On monte. Oula, on monte trop là. On monte beaucoup trop là. Voilà, comme ça. Bon, là, faut enlever ça quand même. Là, quand même. Hein. Voilà. Merci. Je pense que ce serait bien que je ne réduise pas l'habitat des hippos encore. Ok, donc là on est bon là ici, ce serait pas, c'est pas mal comme ça. Et là on va se faire un truc un peu comme ça. Là on est bon en hauteur. Ah, pas top hein. Ce serait bien si on pouvait monter encore un petit poil. On va essayer de monter un petit poil encore. Pas trop rapidement là, ça monte un peu vite là. Peut monter comme ça. Ah ouais non ça ah c'est pas mal ça. C'est quand même bien fait. C'est quand même bien fait. Alors lisser. On va lisser tout ça. Voilà qu'on a une pente à peu près douce. Là c'est pas plat quand même. Alors là, c'est de remettre plat jusque. Voilà nickel. Là c'est bien, là ça me plaît. Là la pente elle est cool. Enfin elle a l'air du moins. Bah, pas trop. Pas trop, pas trop. C'est un peu large ce truc quand même. Voilà, comme ça c'est bien. Ça c'est ce qu'on veut. Très bien. Et là on va se mettre plat ici. Là on sera bien là. Là, on avait notre petite rivière là-bas. Ouais. Nickel. Va avoir du volume. On va avoir un joli petit volume. Hop. Donc là, comme ça, on est bien ici. Là, on va avoir. Là, on va avoir un petit mont. Comme ça. Là, on va faire le tour. C'est pas mal ça. Et là on aura des petits habitats en dessous, à la limite. On pourra se faire des petits habitats ici. Avec pourquoi pas un truc qui descend au milieu. Lui il va me gêner je pense le téléphérique, il faudra voir comment on fait mais. Et là du coup, je pourrais faire un truc pareil un peu. Donc si là je m'élève, je vais monter tout là là. Ça m'en rend pas vite. Hein. C'est bon, là je serai à peu près au même niveau, à peu près. Ok. Et donc là, on aurait un peu la même chose ici. Vous voyez? Comme ça. Avec une légère pente comme ça. Parfait. C'est pas beau ça. Voilà, je trouve ça nickel. Je trouve que c'est nickel. Voilà, c'était mieux avant quand même.
La pente de ce côté était mieux quand même. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Là, on est très très bien. On est très 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 bien. Hop. Zou. Ouais, c'est nickel, ça me convient parfaitement. Et donc là, on fera une espèce de ponton en bois qui donnera sur un habitant en dessous. Donc là, il faudra créer une nouvelle zone de soigneurs par là. On verra. Peut-être qu'on ferait une zone autre que l'Afrique là. Dans ce petit coin là. Je sais pas, on aura le temps d'y penser. On aura le temps d'y penser. Hop. Voilà. C'est quoi comme rocher ça? Climat tempéré. Ouais, on pourrait faire des rochers d'autres couleurs là. Hein. Ça empêche pas. Par contre, ça va me réduire encore l'habitat des hippos qui était déjà pas bien grand. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire aller dessous, l'habitat des hippos? Rien. Ah, on est d'accord, hein? Rien. Pourrait être une grotte pour les hippos derrière. Oui. Eh oui. C'est pas bête ça aussi. De là, leur creuser une petite grotte. Si là je fais ça, je me mets à cette hauteur-là. Oula. Ouais, c'est bon, hop. Comme ça, je leur agrandis leur espace. Pas mal tout ça. Ça pourrait être pas mal. Hop. Clac. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Il y a vraiment de l'idée là. Ok. Il faudrait que j'arrive à décaler ça quoi. Bon, ça prend forme en tout cas. Moi j'aime bien, ça prend du volume. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc, on avait dit les lycaons quand même. Hein. Parce que là, on n'a pas fait grand chose des lycaons finalement. Hop, donc là on va essayer de agrandir un petit peu cette petite rivière là. Voilà. Ok. Ce sera sympa. Voilà, on va y mettre de l'eau tout de suite. Nickel. Très bien. Très bien, très bien. J'aurais bien voulu que ça aille plus haut quand même. Qu'est-ce qui m'empêche de faire aller le niveau de l'eau ici? Obstruction de quoi? Valide. Obstruction, je pense que c'est ici qu'il manque un peu de terre. Terrain. Là, tout petit poil ici, non? Ouais. Sinon, c'est pas mal. Peut-être au bout là, non? Non, ça a l'air d'aller. Hop, de l'eau. Non, je peux pas mettre plus haut que ça. Y a pas un niveau entre les deux. Bon, bah, on va voir ça comme ça. Alors, attendez, on va enlever ce boss. Oh, remarque, on s'en fout. Hop. Voilà. Alors, non. Là, il faut vraiment essayer d'arriver au ras du rat. Terrain. Clac. Donc, là, on va prendre creuser. Non, on va prendre ça. On va prendre l'outil de 2. Et là, faut qu'on arrive. Voilà, comme ça.
qui est vraiment plus rien. Voilà, minimum. Ah, là, je suis un petit peu trop loin, je pense. Voilà, faut qu'on garde cette petite bosse là. Voilà. Voilà. Pas que ça descende trop. Ok, donc là on est pas mal, je pense. Là, si je mets mon eau. Ok, on arrive là, c'est parfait. Clac. Donc là maintenant on va mettre. On va prendre des pierres. On va faire une falaise. D'ailleurs, je vais aller récupérer. Hop. Du bout de falaise là. Clac. Voilà. Hop, récupération. Boum. Hop. Voilà. Ça, on va le décaler un peu plus par là. Hop. Pam, padam, papam. C'est pas mal, non? Si on va le reculer un tout petit poil. Voilà. Pas tant. Voilà. Là, on va faire notre cascade. Donc, on va se débrouiller pour que là, avoir des toutes petites pierres. Ok. Pas mal du tout ça. Hop. C'est les mêmes ou pas ceux-là? Je sais pas, on dirait. J'essaie d'alterner un peu les rochers quand même. Hop. J'ai l'impression que j'ai pris deux rochers différents là. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout comme ça. Ça fait un truc très sympathique. Du coup, c'est un peu la nuit, c'est un peu pénible du coup pour faire ça. Mais si je mets lecture, ça va ramer du fion. Ça va ramer du cul. Donc on va rester comme ça pour le moment. Alors ça, c'est des rochers du désert que j'ai pris. Alors que là, c'est des rochers de la savane. Bon, ils se ressemblent un petit peu, hein, je crois. En termes de couleur, ça ressemble un peu, sauf que les déserts ils ont un peu plus de côté comme ça là. Comment dire je sais pas comment j'arrive pas à trouver le mot. Alors que eux, ils font plus voilà unis dans le terme de la couleur là, un peu plus rouge orangé uni, alors que là il y a ce côté un peu plus pierre marron là. Mais là c'est pas mal, j'aime bien comme ça fait là. C'est même nickel, je trouve. Donc là, on va essayer de prendre. Hop. Donc la nature, on a dit. Les pierres. Qu'est-ce que je viens de dire? Désert. Hop, on va enlever les plans. Désert, alors il faut des trucs comme ça là. Voilà, clac. La petite pierre ronde. Ça c'est gros comment? Ça fait bien. Peut-être. Hop.
Alors, parfait ça. Clac. Boum. Ça c'est trop gros. Ça c'est trop petit. Non. Oh, remarque. Mais non, là, faut pas que ça avance comme ça. Justement, faut que ça recule. Ok. Voilà, faut que ça soit le maximum en arrière. Parce que là, on va avoir notre cascade. D'ailleurs, je vais mettre des rochers à l'arrière. Parce que sinon, ça va pas faire terrible. Hop, on va prendre le gros, celui-là, là. Ah non, c'est celui-là. Ouais. Vraiment au ras du ras, là. Voilà. Ça marche pas trop, ça, mais bon. Ouais, ça peut faire un petit écart, là. Bon, c'est pas mal. On fera la cascade la prochaine fois. À la limite, je peux faire ressortir cela. Non, comme ça. Voilà. Clac, ça donnera un peu plus de peps à ma cascade. Pareil, celui-là, voilà, comme ça. Hop. Et là, celui-ci. Voilà, comme ça, elle sera bien définie au milieu, là. Ok, très bien. Donc là, c'est cool. Là, c'est cool. Ah, du coup, ils n'ont pas d'abri. Zut, j'avais dit que je ferais dessous, mais dessous, ça va faire bizarre, hein. Ah mais attendez, je vais faire une petite. Là, je vais forcément faire une espèce de petite cascade aussi. Ouais. Qui va tomber dans ce petit truc là. Donc, on va faire un petit truc comme ça là. Là, on va faire un petit départ d'eau. Hop. Hop. On va forcément faire truc comme ça. Hop. Voilà. Il n'y a pas le grand caillou plat là. Il y a le gros caillou déjà. Mais déjà là, c'est pas terrible finalement. Terrible finalement là. Faudrait que je rajoute un truc comme ça là. Voilà, comme ça l'eau elle va sortir d'ici. Ouais. Plus petit. Voilà, comme ça. Ça c'est bien. Voilà. Il y a un trou là. Il y a un trou. Nickel. Nickel, alors maintenant, check ça, claque comme ça là, voilà, et là on peut leur faire un terrier. Un terrier, c'est pas vraiment un terrier du coup, mais d'ailleurs c'est dommage, les visiteurs ils y verront pas. Et si je faisais un truc comme ça là. Ça, je vais le garder là, mais je vais en mettre un autre ici, là.
Clac. Et l'entrée serait par là. Pas bête, pas bête, pas bête. J'ai pas mal d'idées ce soir. C'est cool. J'aime avoir des idées comme ça qui fusent dans ma tête. Clac, et donc là on pourrait creuser. Nope. Creuser par ici là. Pas tant. Pas tant. Voilà, comme ça. Hop, là on prend ça. Suis pas encore assez bas, je pense. Hop. Voilà. Là, on a notre espèce de terrier dans lequel on peut aller mettre des couchages. Hop. Très grand. Avec l'eau là au-dessus. Ok. Très bien. Et donc là, on va terminer de creuser l'entrée là. Ou au contraire, on va essayer de réduire cette entrée. Voilà, faire un tout petit. Voilà, un truc comme ça là. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ok, alors, touc, là, on va descendre cette pierre là, comme ça. Ok, on va en mettre d'autres. De la grosse là, de la bonne grosse pierre. Là. Comme ça. Hop. Voilà. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça me plaît, ça me plaît. Maintenant, on va essayer de mettre un peu des pierres à certains endroits pour donner pareil de la vie. Hop. Hop là. Clac. Voilà, il faut que ça touche là. Voilà. Hop. Voilà, donc là en termes de... On est pas mal, je pense, en termes de... De rochers, de rochers. Donc on va regarder ensuite les plantes. Alors on va prendre notre lycaon. Est-ce que les plantes qu'il y a pour moi ça lui plaît? Alors ils sont où ces lotus bleus? Eh, ils sont là. Ouais, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout à la limite. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et ça fait un épisode de 40 minutes.
Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, on a bien avancé là, je suis content de la forme qu'on prend. Ça va être très classe là d'avoir le téléphérique là, qui passe ici, avec une espèce de montagne là. Voilà, on aura une montagne ici, une autre montagne là-bas, avec des rochers un peu partout. Et là on fera une espèce de pont. Un pont suspendu, pourquoi pas, ce serait pas mal, une espèce de petit pont suspendu. Ouais. Un petit pont suspendu entre les deux là. Ce serait une bonne idée. Et pourquoi pas, quitte à avoir une espèce de passerelle qui viendrait au-dessus, là, des habitats, avec un truc d'observation. Ah, ce serait pas bête ça. Là, on aurait un pont au-dessus, avec une plateforme un peu ronde, qui permettrait d'observer les animaux de par au-dessus. Ah, c'est pas bête. C'est pas une mauvaise idée. Ou faire ça de ce côté. Avec un truc qui passe par-dessus ça ou par-dessous. Enfin, par-dessous, ça veut dire qu'il va falloir le faire vachement monter. On pourrait passer par-dessus ça. Et avoir une passerelle d'observation là. Peut-être un truc vitré au sol. Ah mais je crois que les gens ils peuvent pas marcher sur des trucs vitrés. Les animaux, oui, mais pas les visiteurs. Ça aurait été pas mal, ça. Bon, le lycaon, on va le remettre là-bas. Panneau du lycaon. Il va être ici. Par ici, là. Par là. Je ne sais pas. Par là. Parce que d'ici, on pourra voir les lycaons. Ce serait bien que je fabrique un espèce d'objet comme les petites loupes, enfin les petites jumelles, pardon, qu'on voit des fois dans les villes ou dans les trucs comme ça pour voir d'un peu loin. Et du coup, faut en mettre par là. Bon, bah voilà, l'enclos des lycaons, il prend bien forme. Il prend bien forme. Maintenant, on pourra mettre des plantes un peu la prochaine fois pour verdir tout ça. Et puis une fois qu'on aura mis des plantes, on pourra peut-être mettre leurs améliorations après pour qu'ils soient nickel. Et on aura un enclos terminé. Ah oui, il faudra faire ses chutes d'eau aussi. Ouais, il faudra faire ses chutes d'eau. Et on agrandira l'habitat des hippopotames. Je crois qu'ils sont un peu justes, il me semble. Ah non, c'est bon. C'est quand ils sont un de plus. Non? Ah, il me semblait que c'était juste. Ouais, la flotte, c'est juste. Donc la flotte, à la limite, on pourra peut-être agrandir un peu ce truc d'eau là. Le faire aller derrière. Parce que là, de l'eau, ils ont déjà quand même pas mal. Mais ils aiment bien l'eau, apparemment. Les hippopotames. Voilà, donc moi, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite de ce Let's Play sur Planète Zoo, où on terminera l'habitat des lycaons. Allez, salut à tous, ciao!